Salut, on est de retour sur le plateau TV Debout, place de la République. Je suis avec Dany Boumba. Salut Dany. Salut Marjorie. Dany qui est notre invité musical de ce soir. Du coup, c'est la première fois que tu viens à la République ? C'est la première fois que je viens aux Nuits Debout. Ouais. Ouais, c'est la première fois. Et en fait, je m'y intéresse surtout via les réseaux. Enfin, je me renseigne pas mal sur Internet et tout. Mais c'est la première fois que je viens, ouais. Et t'as eu le temps de faire un petit tour, de regarder un peu ce qui s'y faisait ou t'es venu directement chez nous ? Ouais, j'ai fait un petit tour. Bah, c'est vrai que j'habite dans le coin, donc du coup je passe, je vois un peu au loin. Mais c'est la première fois que je rentre vraiment dedans et j'ai fait un petit tour là juste avant. Et j'aime bien l'idée des débats déjà, parce que j'aime beaucoup les débats. Et pour le coup, j'ai fait un petit tour et là je suis arrivé là. Je fais un petit tour, j'ai pu voir ce qui se passe un peu autour. Toi, t'es chanteur, musicien, interprète. C'est ça. T'écris des textes en français, je crois. Exclusivement. Essentiellement en français. J'écris aussi un petit peu en Lingala. Lingala, qui est ma langue maternelle, donc une langue du Congo, Congo-Kinshasa. D'accord. Mais sinon, j'ai écrit essentiellement en français, ouais. Et t'écris sur des thèmes Des thèmes qui me... Disons que j'aime bien écrire sur des thèmes qui me touchent personnellement et qui touchent aussi... plus largement la sphère du monde et pour le coup donc j'écris mes thèmes de prédilection seront donc l'amour avec un grand A, le respect, j'aime bien m'indigner aussi dans mes textes, c'est très important pour moi en tant qu'artiste en tant qu'individu aussi et pour le coup quand je suis avec ma guitare je viens aussi en tant qu'artiste et je parle en tant qu'artiste donc c'est important pour moi en tant qu'artiste de dire ce que je vois et ce qui me plaît pas autour de moi quoi. On va laisser parler la musique. Tu nous prépares quoi ce soir du coup ? Alors ce soir, je vais jouer un son pour le coup qui s'appelle Où va le monde ? Où va le monde ? Et je fais un peu le tour de tout ce que je peux constater moi autour de nous. Juste là tout près à Paris, un peu plus loin en France et encore plus loin dans le monde. Donc où va le monde ? Un questionnement qu'on a tous. Un questionnement qu'on a tous, effectivement. La 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 la. Toutes les pages du quotidien que j'ouvre déclinent un monde qui souffre. Mais où va le monde? Où va le monde? La lune nous pleure sa peine, vers qui doit-elle se plaindre? Les anges ne répondent plus, ils daignent même pas feindre. Les âmes ont trahi leur confiance, la chance est en allée. Paraîtrait-il que les terres saintes ne veulent plus parler, non. La décadence constante qui pour l'admettre. Parce qu'aujourd'hui il faut paraître plutôt qu'être, oh mon Dieu. Pensez juste un instant à l'intérêt commun, est-ce qu'on peut? Qu'est devenu le temps des balades aux gens heureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Est-ce que la solution c'est de souffrir en silence? Est-ce que la solution c'est de souffrir en silence? La solution c'est de souffrir en silence. Est-ce que la solution c'est de... L'espoir, c'est aimer la vie, disait l'autre, c'est juste. Certains payent de leur vie, la faute des autres, c'est injuste. Égalité, fraternité, cette devise, où s'applique-t-elle? Si elle existait, peut-être la liberté serait bien plus belle.
comme si notre compassion était un semblant, comme si le monde se perdait au fil du temps. Mais où va le monde? Où va le monde? Est-ce que la solution c'est de souffrir en silence? Est-ce que la solution c'est de souffrir en silence? La solution c'est de souffrir en silence. Est-ce que la solution c'est de... Les anges ne répondent plus, mais où va le monde? Les âmes ont trahi leur confiance, mais où va le monde? Les anges ne répondent plus, mais où va le monde? Est-ce qu'on a souffrir en silence? Non, je ne pense pas. Dada. Les anges ne répondent plus, mais où va le monde? Maman. Les anges ne répondent plus, mais où va le monde? Est-ce qu'on doit souffrir en silence? Non. Est-ce qu'on doit souffrir en silence? Non. Est-ce qu'on doit souffrir en silence? Non. Les anges ne répondent plus, mais où va le monde? Les anges ne répondent plus, mais où va le monde? Les anges ne répondent plus, mais où va le monde? Merci. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Facebook? Excuse-moi. Toutes les plateformes un peu musicales. J'ai un site aussi, donc dannyboomba.com. J'écris des poèmes aussi, donc on peut retrouver mes poèmes, mes chansons sur mon site, sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud. Allez voilà. Voir, allez chercher, allez écouter merci. Ces titres. Merci on a beaucoup. Été super contents de te recevoir. Bah, merci, je suis super content. On va rendre l'antenne hein, parce qu'on est un peu harcelé par Radio Debout qui a du mal parfois à entendre quand on fait de la musique nous-mêmes. Si quelqu'un peut me filer le générique, s'il vous plaît. Allô? Ouh! Allez, on va vous rendre l'antenne. Du coup, on se voit demain. Demain, passez une bonne soirée. Regardez-nous, on vous embrasse partout où vous êtes. Et salut, à plus tard.